Bonjour à tous. Après un week-end sans excès côté température, mais avec des éclaircies quand même bien appréciables, sachez que cette journée de lundi sera ponctuée par le passage d'une nouvelle perturbation sur la Bretagne. Ce sera certainement la seule de la semaine puisque celle-ci s'annonce de plus en plus estivale. On regarde la carte technique pour commencer ce bulletin avec ce front qui traversera notre région et qui se situera à la mi-journée sur l'est de la Bretagne. Il est relié à une dépression positionnelle sur l'Écosse. À l'arrière, ce sont les conditions anticycloniques qui reviendront à partir de mardi. On regarde la situation pour ce lundi matin avec cette perturbation qui traverse notre région. À l'avant, prévoyez quelques éclaircies sur le vignoble nantais, et puis à l'arrière quelques éclaircies également qui reviendront par le Finistère. Le vent de secteur sud-ouest atteindra 40 voire 50 km/h, et puis il commencera à tourner au secteur nord-ouest à l'arrière sur les côtes finistériennes. Dans l'après-midi, la perturbation s'évacue vers l'est en perdant un petit peu de son activité entre l'Ille-et-Vilaine, la Loire-Atlantique et l'est du Morbihan. À l'arrière, retour d'un ciel variable, nuages éclaircis, des éclaircies beaucoup plus généreuses ici entre la côte de Granit Rose, celle des Légendes, ainsi que sur le littoral d'Iroise où le vent sera faible mais aura basculé là aussi au secteur nord-ouest. On regarde les températures prévues pour ce lundi matin, conformes globalement aux normales de saison, souvent proches de 14 ou de 15 degrés. On ira même jusqu'à 16 degrés du côté d'Audierne ou encore de Brest. 17 sont prévus à Ouessant, mais aussi à Belle-Île. Et puis dans l'après-midi, des valeurs plutôt stables et un peu fraîches quand même pour la saison, hein. Surtout sur la pointe finistérienne, pas plus de 18 à 20 degrés. Vous aurez quand même 21 degrés à Quimper, il fera 22 à Saint-Brieuc, 22 également à Ploermel, 23 degrés à Rennes, mais aussi à Saint-Malo. Et on ira jusqu'à 24 degrés à Nantes. On poursuit avec la tendance pour cette journée de mardi 15 août, jour férié, des éclaircies et des passages nuageux dans les terres. Ce seront des cumulus, assez nombreux quand même parfois l'après-midi, mais les côtes seront avantagées, notamment en raison de ces brises de mer qui se déclencheront à partir de la mi-journée ou du début d'après-midi. Les températures afficheront entre 21 et 25 degrés. Elles deviendront conformes aux normales de saison avant de grimper de façon beaucoup plus significative pour les journées de mercredi et de jeudi avec un soleil dominant. Mercredi, prévoyez 26 à 28 entre Rennes et Nantes. Et puis jeudi, 26 à 30 degrés entre Brest et Nantes. Une ambiance qui pourrait encore se réchauffer pour la journée suivante. On en reparle ici même demain soir. Très bon début de semaine à tous.